Can't break. And it's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No! It's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable! 9-7-9! 1988, Séoul. 9 secondes 79, Ben Johnson vient d'éclater le record du monde du 100 mètres devant Carl Lewis. Carl Lewis, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'était la star à cette époque de l'athlétisme mondial, évidemment un Américain. Voici donc une nouvelle série de vidéos intitulée « Les icônes du dopage ». Et dans cette série de vidéos, vous allez découvrir des histoires extraordinaires et surtout dramatiques qui ont conduit à l'éviction, qui ont conduit à la déchéance et qui ont retourné le monde du sport à l'époque où ces faits se sont produits. Donc, Ludo, pour ce premier volet, donc on parle de l'affaire Ben Johnson. Moi, je me souviens, Ben Johnson, pour les gens qui ont notre âge, quand j'étais plus jeune, cette course, je me souviens que Ben Johnson, noir comme le charbon, débardeur rouge, chaîne en or qui ballottait à droite à gauche, les yeux gorgés de sang et cette puissance, quoi. Si on revient un petit peu aux origines de Ben Johnson, l'histoire, en fait, aurait pu complètement se passer autrement. Ben Johnson, il est né en 1961, en Jamaïque, dans la ville de Falmouth. Mais en fait, la vie à Falmouth est plutôt difficile, comme beaucoup de villes en Jamaïque. Et sa mère, voulant apporter autre chose à ses enfants, va en fait quitter la Jamaïque pour se retrouver au Canada, du côté, en fait, de la banlieue de Toronto. Quand elle s'en va, Ben Johnson a 10 ans. Et c'est 4 ans plus tard qu'il pourra la rejoindre. Et c'est en 1977 que la vie de Ben Johnson va prendre un tournant qui va changer le cours de son destin. Donc ça veut dire pratiquement 10 ans avant ce record du monde incroyable. Exactement. Pour comprendre ce qui va changer la vie de Ben Johnson, il faut en fait introduire Charlie Francis. Donc Charlie Francis, c'est un sprinteur canadien qui va assister en 1976 à l'humiliation historique des JO. C'est Montréal qui organise les Olympiques et ça deviendra le premier pays à ne jamais gagner une seule médaille. Wow. Donc les mecs, en fait, se font laminer par tous les pays et c'est, voilà, c'est le seul pays qui n'a rapporté aucune médaille alors qu'il était organisateur. Là, il se dit c'est pas possible et il se met comme défi de former des jeunes talents. Et qu'il va souvent, en fait, trouver chez des jeunes un peu défavorisés dont, en fait, va faire partie Ben Johnson. Et tous les gamins l'adorent. Il fait tout pour les gamins. Les gamins, ils n'ont pas de thunes. Ils viennent de familles, justement, qui sont pauvres. Donc, les gosses disaient même qu'ils nous achetaient à bouffer quand les parents ne pouvaient pas en ramener. Ils s'en occupent, ils les coachent. Et très vite, en fait, il va y avoir une relation, finalement, de père-fils avec Ben Johnson, alors que Ben Johnson est de loin le mec, pas, je veux dire, des plus mauvaises, mais c'est de loin l'un des moins prometteurs. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est un bosseur, le mec, il en veut. Et je pense que Charlie Francis prend d'affection pour Ben Johnson. Et d'ailleurs, Ben Johnson le dira dans une interview, il dira « Charlie Francis, je l'écoutais comme un père. Il me disait, je faisais. C'est tout, pas de question. » Après d'ailleurs la mort de Charlie Francis, il dira « Souvent, ils avaient des conversations sur « Qu'est-ce que c'est que tricher ?» Et Charlie lui disait souvent « Tu triches, si t'es le seul à le faire. Si tu fais ce que tout le monde fait, c'est pas tricher. » On peut dire que la vie de Ben Johnson, même s'il est parti avec les mauvaises cartes au début, tout se passe pour le mieux pour lui. Ça se passe même plutôt très bien, puisqu'en 1980, Charlie Francis se retrouve en fait nommé capitaine de l'équipe olympique en athlétisme et va donc pouvoir amener toutes ses ouailles avec lui pour composer la prochaine équipe qui concourra aux JO. Et donc, c'est à partir de quel moment qu'il se dope ? Justement, donc 1981, Ben Johnson, pendant pas mal de temps, il a toujours refusé de s'y mettre. Et c'est lorsqu'ils sont en train de se préparer pour les prochains JO qu'il s'est dit « Bah putain, merde, tout le monde le fait et pourquoi je devrais être le dernier à être déposé alors que les mecs, ils tapent dedans, quoi ?» Et quels étaient ses résultats avant 81? Est-ce qu'il gagnait des courses? Est-ce qu'il battait des records ou pas du tout? Alors pas du tout, justement. Et c'est pour ça que, en fait, pour préparer Ben Johnson, Charlie Francis va confier son poulain aux mains du charmant docteur Astafan, Jamie Astafan. Alors lui, c'est un vrai. Le mec, tu sais, ses mentors, c'est qui? C'est les Bulgares. D'accord, ok, ah oui. Donc pour lui, de toute façon, la Bulgarie, c'est en matière de dopage, c'est mieux que les États-Unis et la Russie réunies. D'accord. Les types, c'est des champions. Quand ils injectent un truc, ton saut en teur, les mecs, tu les envoies dans la lune. Tu vois? Donc, le protocole commence, mais en fait, Ben Johnson, il va pas exploser. Pas du tout, du tout, du tout. Ses progrès vont être réguliers, et c'est avec le travail et forcément le protocole qui va arriver derrière, qu'il va commencer à gagner quelques médailles, gagner quelques courses. Et lorsqu'il va arriver au JO de 1984 à Los Angeles, c'est pas spécialement un mec connu. Il arrive sur le terrain de jeu de celui qui va devenir
son meilleur ennemi, celui qui va créer la guerre qui enflammera les tabloïds pendant les 4 années suivantes. Carl Lewis dit King Carl. Et King Carl, lui, c'est l'antithèse de Ben Johnson. Le mec, il est grand, il est déjà athlétique, il a du charisme, c'est l'Américain excentrique qui adore son pays, qui fait des super tirades et des petites blagues lorsqu'il fait des conférences de presse. Le mec, il avait la génétique pour briller. Beaucoup diraient que c'est le Michael Jackson, avec des chaussures à pointe ou alors des petites chaussures blanches. Quoi. Carl, il est déjà au top et les JO de Los Angeles, c'est encore une occasion pour lui de briller. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va éclater tout le monde. Donc, il explose tout le monde aux 200 mètres. Il explose tout le monde aux 4 fois 100 mètres. Et forcément, il dépose tout le monde aux 100 mètres. Mais il y a un petit grain de sable qui se met dans la machine. Donc, Carl Lewis gagne. Hein. Sauf qu'il y a un type qui décroche la médaille de bronze. Et c'est Ben Johnson. Et c'est Ben Johnson. Et à partir de ce moment-là, la guerre est déclarée. Donc, il va lui falloir un an de plus pour inverser la donne, parce qu'en 1985, à Zurich, après 8 tentatives, Ben Johnson fait la nique à Carl Lewis sur un 100 mètres. Pas tout beaucoup, mais c'est la première fois que King Carl choit de son pédestal. Waouh ! Et en plus, les choses ne vont pas s'arrêter là, puisqu'en 86, c'est l'année de Ben Johnson, donc déjà à Moscou, lors de jeux organisés donc, dans la capitale russe, Ben Johnson va mettre une branlée à Carl Lewis en faisant un record de 9,95. À l'époque, il faut savoir que le record du monde, c'est 9,93. 9,93 qui avait été fait, en fait sur une course, donc c'est Calvin Smith qui est détenteur du record. Et cependant, il avait fait sa course sur une piste qui était à 1800 mètres de hauteur. Et de ce que j'ai pu comprendre, en fait, plus t'es haut, plus les rapports d'attraction n'est pas le même. Donc, en fait, t'as un petit peu d'avantage. Donc, on pourrait dire qu'il est plus compliqué, finalement, de faire 9,95 au niveau de la mer plutôt que 9,93 à 1800 mètres. Donc, en deux ans, en simplement deux ans, Ben Johnson est devenu, on peut le dire, le roi du game. Celui dont tout le monde parle, l'outsider qu'on n'a pas vu arriver et qui bat le king. Alors là, oui, c'est ce qu'on peut dire parce qu'il se rapproche en plus donc du record du monde. Carl Lewis quand même battu pour la deuxième fois consécutive et il en remet une couche la même année en 1986 et il bat Carl Lewis pour la deuxième fois à Zurich. Et donc, arrivent les Mondiaux en 1987 à Rome, tic-tac, un an avant 1988, Séoul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah ben alors, ce qui se passe, c'est que Carl Lewis est en bonne forme, parce qu'avant ces Mondiaux de Rome, il y a eu aussi une compétition à Séville, quelques mois avant, où Carl Lewis bat pour la première fois depuis plusieurs compétitions Ben Johnson. Mais alors, il va le battre à un centième. Je crois que c'est 10-06 qu'il fait, et Ben Johnson fait 10-07. Et d'ailleurs, l'histoire veut que forcément Ben Johnson, avec l'ego qui a pas mal gonflé, juste à la fin de la course, il va voir, il rattrape Carl Lewis et lui susurre « À Rome, tu seras pas aussi proche. » Et il se casse. Et donc voilà, les Mondiaux à Rome arrivent et au milieu du stade olympique va se passer cette bataille que tout le monde attend. Donc c'est King Carl contre Big Ben. Et là, c'est la branlée. Le mec, il te fait un chrono de 9,85. Là où Carl Lewis, finissant bon deuxième, arrive en fait au niveau du record du monde, qui était, on le rappelle, 9,93 à l'époque. Mais Ben Johnson vient de le fumer avec son 9,85. Donc, si on comprend bien, là, c'est que Ben Johnson, il y a 3 ans, c'était personne. Et là, il vient de fumer le record du monde. Et il vient d'être sacré champion du monde, aux yeux et aux vues du monde entier, bien évidemment. Et à son ennemi juré, Carl Lewis, donc King Carl, s'est fait battre par Big Ben. Bon, on peut dire que le monde de l'athlétisme, c'est un peu un monde impitoyable. Et surtout, c'est la grande puissance américaine face au petit Canada, donc c'est le pot de fer contre le pot de terre. Ah, complètement, oui. Et là, en revanche, pour le pot de terre, c'est la consécration.
C'est le premier ministre du pays qui l'appelle, qui le remercie personnellement. On déclare un Ben Johnson Day. Wow. Il est décoré de l'Ordre du Canada, il est adulé par tout le monde, c'est un héros national. Les contrats pleuvent, donc on sait ce qui se passe quand tu as des contrats dans le monde du sport. Bah, tu deviens riche. Ouais. Exactement, tu deviens riche. Donc on va dire que si on pouvait faire pause à ce moment-là, ça serait une magnifique success story. Il veut sa meilleure vie, quoi, on peut dire. C'est ça. Mais on rappelle qu'on est en 87 et que la course fatidique, la dirtiest race of the history, donc la course la plus sale de l'histoire, comme ils l'appellent les Américains, va arriver un an après. Et en fait, c'est le début des emmerdes pour Ben Johnson. Parce que t'imagines bien que là, ça fait quand même quelques années, que les types, ils ont vu un petit chétif se ramener, qui est devenu une machine de guerre, parce que quand on voit le corps de Ben Johnson, quand on voit courir, et que les gens l'ont connu au début, tu te dis bien que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a qui commencent à dire que lui, ce qu'il prend, c'est vraiment le max. Même les chevaux, ils prennent pas autant. Et certaines langues vont commencer à se délier. Des compétiteurs qui l'ont connu un peu jaloux balancent que dans l'équipe canadienne, la déontologie du sport n'est pas spécialement respectée. D'autres vont se lier pour faire écho à cette première plainte. Et puis, il y en a un surtout. Alors, il y en a un là, qui veut le dégommer. Carl Lewis. C'est Carl Lewis. Donc, en vérité, quand on dit que Carl Lewis veut le dégommer, c'est les États-Unis qui veulent le dégommer. En sachant que les États-Unis, dans le CIO, c'est comme eux qui pèsent dans la balance. Et donc, on est en 87, en 88, donc Carl Lewis veut brasser le fer avec son ennemi juré et récupérer la couronne qu'il a perdue. Donc, on arrive en 88 aux Jeux Olympiques de Séoul. On va dire, ce qui va se passer est totalement historique. Et aurait pu très bien en plus ne pas se passer, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Ben Johnson se blesse aux deux adducteurs. Il se fait deux blessures consécutives aux deux adducteurs. Ce qui fait qu'en fait, il va devoir repartir chez ce bon vieux docteur Astafan, qui va lui faire un petit cocktail de derrière les fagots pour essayer de le remettre sur pied. Et d'ailleurs, le protocole ne va pas fonctionner, parce que lorsqu'il va le revenir de sa retraite, il va reperdre à Zurich, encore une fois à Zurich, contre Carl Lewis. Et il va reperdre même à une compétition autre où il n'y a même pas Carl Lewis. Donc là, même si d'ailleurs Francis flippait de repartir sur un gros protocole, il se rend compte que Ben Johnson n'est pas prêt. Il a 3 kilos de plus sur chaque cuisse. Il n'arrive pas à avoir la même énergie avec la même souplesse. Donc là, c'est chaud pour Séoul. Carl Lewis, de son côté, il a fait un record de malade qui n'est pas en fait effectivement référencé, mais qui était de 9,78 avec des vents favorables. Donc lui, il sait que pour Séoul, il est prêt. Mais l'histoire va en décider autrement le 24 septembre 1988. Séoul. En fait, cette course, elle est extraordinaire parce que en fait, nous, on a eu la chance de vivre ça en direct. Le débardeur rouge, la chaîne en or et Ben Johnson était beaucoup plus musclé que Carl Lewis. Carl Lewis était chétif comparé à Ben Johnson. Ben Johnson, c'était une masse. Bon, même si, par rapport aux critères d'aujourd'hui, c'est ridicule. Mais à l'époque, il était impressionnant, impressionnant. Et donc, couloir numéro 6. La détonation retentit. Et là, tel un boulet de canon, le mec, il s'extirpe des starting blocks. Et là, justement, bon, on revoit la séquence. Le mec, il a une puissance dans sa foulée, il dépose tout le monde. Et il lève la main au ciel avant même d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Quoi. Et Carl Lewis, c'est, je ne vais pas dire qu'il est loin derrière, mais bon, voilà. Bah justement, sur cet arrêt sur une image, on peut voir en fait que, je pense, par péché d'orgueil, Ben Johnson tourne la tête, on le voit sur la gauche, pour chercher du regard son ennemi vaincu, écrasé. Et donc là, la victoire, une victoire écrasante, un nouveau record du monde battu. Ça devient le king of the king, en sachant que quelques mois auparavant, les deux dernières courses qu'il a faites, deux dernières sorties qu'il a faites, une des courses, il a perdu face à Carl Lewis, ce qui a conforté Carl Lewis pour Séoul. Et la deuxième course également, il l'a perdu, mais là, Carl Lewis n'était pas là. Donc, on peut dire qu'il est revenu en bonne grâce. Il est au top. Et on peut dire qu'il est au sommet du monde. Complètement, complètement. Le mec a tout gagné, c'est l'accomplissement absolu. Mais là, en fait, la fête, elle est de très courte durée. Parce que on commandite un test de dopage sur plusieurs des sportifs qui ont concouru à cette course-là. Ben Johnson en fait partie. Là, l'explosion va avoir lieu comme une météorite. L'organisateur, en tout cas des JO Varsovie, a un coup de téléphone et on va lui dire au début, dans la nuit donc du 24 septembre, on a un problème. Alors le mec, il fait, mais c'est quoi, il y a un mec qui est mort? Elle dit, c'est pire que ça. On a un positif.
Ok, c'est quoi la discipline? C'est le sprint. Ok, et c'est qui le positif? C'est le gagnant. Là, les journalistes sont mis au courant quelques heures après. Tout le monde se rue à l'hôtel de Séoul où résidait donc Ben Johnson. Quand ils arrivent, il s'est déjà barré. Et le retour au pays va être la déchéance. C'est la chute absolue du géant. Il avait dit, et ça c'était assez finalement tragique, un journaliste lui pose la question juste après sa victoire en lui disant « Ben Johnson, qu'est-ce que vous préféreriez entre la médaille et le record du monde ?» Et il dit la médaille, parce qu'un record du monde, on peut vous le prendre. La médaille, on ne pourra jamais y toucher. Finalement, l'histoire montrera qu'il s'est un peu trompé. Il va se retrouver donc forcément mis en examen. Et le procès va durer quand même quelques années. Et parmi le procès, donc il y a 118 personnes qui vont venir au procès, qui vont devoir témoigner, argumenter, dont forcément Charlie Francis, son coach, et le fameux docteur Astafan, qui, en fait, en maxi ordure, avait enregistré des conversations qu'il avait avec Ben Johnson. Parce que Ben Johnson n'ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort. De toute façon, dans ces cas-là, il faut nier. On t'accuse de, tu nies. Sauf que lors du procès, le mec fait écouter des enregistrements où Ben Johnson lui demande des conseils sur le protocole, la prise de stéroïdes, etc. Donc à ce moment-là, Ben Johnson ne peut plus reculer et il va être obligé de tout avouer. You made a decision to go on steroids. Yes. Some Winstrol tablets contain a little white vial. Did you know they were banned? In certain ways, yes. La suite, on la connaît, c'est retrait de tous ses records, de toutes ses victoires aux JO, de ses victoires aux Mondiaux, de son record du monde. C'est la perte de ses sponsors, donc forcément de la perte d'argent. Il est vu comme le traître, le salaud. C'est la fin. Donc on peut dire que c'est devenu l'icône du dopage, car à cette époque, oui, nous on peut le dire, parce qu'on était là, on était assez jeunes, mais on était là pour en témoigner. C'était l'image du dopage, c'était lui, quoi. C'était ce mec, c'était Ben Johnson en débardeur rouge, chaîne en or, noir comme le charbon, les yeux jaunes. C'est devenu vraiment l'icône du dopage à la fin des années 80. Fin des années 80, début 90, c'était le dopage, c'était Ben Johnson. Et justement, c'est ça qui est tragique, en fait. C'est que, en fait, Johnson va devenir le bouc émissaire. L'icône du dopage, certes, mais le bouc émissaire. Et pourquoi? Parce qu'il faut revenir encore quelques années en arrière. En 1983, Carl Lewis se fait péter comme positif. D'ailleurs, il y a un témoignage du contrôle, et ça va être étouffé en fait par les États-Unis et par CIO. Donc déjà, on sait que s'il y a tellement d'enjeux, tellement d'argent, que Carl Lewis sauve déjà une première fois ses fesses. Mais il va les sauver une deuxième fois en 1988, donc l'année quand même des JO de Séoul. Carl Lewis se refait avoir pour justement des substances qui sont prohibées, et là l'équipe Lewis, qui est vraiment ultra puissante, va arriver en fait à le blanchir en mettant en avant que ce sont ses vitamines plus une erreur de produit qu'il aurait pris à son insu qui aurait fait que le contrôle était positif. Donc, il est blanchi et il peut concourir à cette compétition où on verra donc Johnson déchu pour finalement les mêmes pratiques. La part d'ombre de cette histoire, c'est qu'en fait, Johnson, il a été testé positif au Winstrol. Il l'a toujours nié. Il l'a toujours nié, et même Charlie Francis, la première fois qu'il est auditionné, le dit d'une façon un peu maladroite. Mais le Winstrol, c'est pas possible. Ben Johnson ne supporte pas. On lui donne autre chose. D'accord. Donc, c'est un peu con comme défense. Mais en fait, il y a une personne qui se retrouve avec Ben Johnson lors de tests de dépistage qu'il devait faire. Et cette personne, c'est André Jackson. Qui est-il? Donc, André Jackson, c'est un proche de Carl Lewis, que Ben Johnson a connu un moment, avec qui, je pense, Carl Lewis entretient de bonnes relations. Et le coach, d'ailleurs, de Carl Lewis sera interrogé là-dessus, dans un documentaire, et il se dira « Ah oui, c'est vrai qu'on avait réussi à le faire rentrer dans la salle
de test alors qu'il n'avait strictement rien à foutre là-dedans. Et Ben Johnson s'en souvient, et d'ailleurs toute son équipe, au crier, au coup monté, puisque Ben Johnson se rappelle très bien qu'avant les tests d'urine, il demande une bière à ce fameux André Jackson qu'il connaît. Et André Jackson lui dit, mais pas de problème, tiens, voilà ta bière, ouverte. Et c'est là où, naturellement, l'équipe Johnson a toujours clamé que le Winstrol aurait été placé dans la bière et aurait fait en fait que le test soit positif. Vrai, pas vrai, il n'a jamais caché en tout cas d'avoir pris les produits qu'on lui reproche d'avoir pris. En revanche, il reste même encore aujourd'hui sur sa version, je n'ai jamais pris de Stanozonol qui est le Winstrol. Donc ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça revient à ce que lui disait son entraîneur au tout début, avant même qu'ils veulent signer en bas à droite. Il dit « tricher ». Qu'est-ce que c'est tricher? Si tu fais comme tout le monde, ce n'est pas tricher. Donc on en a la preuve, car Lewis s'est fait contrôler positif bien avant, et j'imagine que les personnes qui devaient concourir, peut-être pas tous, mais une grande majorité devaient être dopées, et ils devaient tous se doper aux mêmes molécules. Les États-Unis sont le pot de fer qui, eux, injectent tellement d'argent dans le sport mondial qu'on a bien vu qu'ils ont réussi à couvrir l'affaire de Carl Lewis et ils ont même réussi à le blanchir avec des couleuvres qu'on ne pourrait plus avaler aujourd'hui. Un des amis proches de Carl Lewis s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas être lors d'un contrôle antidopage. Il donne même une boisson déjà ouverte à Ben Johnson, chose qui ne pourrait plus se produire aujourd'hui car les athlètes, quelle que soit la discipline, ont peur de se faire contrôler positif au niveau du dopage. Donc on peut dire que le pauvre Ben Johnson s'est fait avoir. Ça devait être le fer de lance de la lutte contre le dopage parce qu'on donne tellement d'argent au CIO pour lutter contre le dopage. Il faut bien qu'à un moment, on en pète un pour justifier tout l'argent qu'on nous donne et dire que voilà, il y a du dopage et on lutte contre ça. Et la meilleure personne qu'on puisse sortir, c'est évidemment un pays qui n'a pas les moyens de te mettre la pression en disant si tu le contrôles positif comme ils ont fait avec Carl Lewis auparavant, on va t'enlever des grosses sommes d'argent ou des subventions qui vont te permettre d'exister. Donc en fait, on en est là. Mais quand on fait ce genre de choses, on détruit la vie de quelqu'un. On détruit la vie de sa famille, on détruit sa réputation, on détruit tout. Ben Johnson, après ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, Ben Johnson, après ça, d'ailleurs? Alors, c'est assez marrant. Il est dans une campagne avec une pétition pour justement demander des jeux plus propres, arrêter justement d'utiliser le dopage et de renforcer en fait les contrôles. Alors, il a essayé hein, de s'y remettre parce qu'il a été suspendu pendant 2 ans. Au Japon, à Tokyo, ils ont voulu le faire participer à une espèce de grosse organisation sportive. Ça a été interdit. Et en fait, les deux fois, il est revenu en fait, au devant de la scène pour refaire de la course, il s'est refait péter pour dopage. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc il a réessayé 2 fois et donc il s'est fait rechoper et donc en fait il a finalement été banni à vie. Et il faudra même attendre 11 ans supplémentaires pour qu'en 1999, son record de 9,79, il soit égalé par Maurice Greene. Et d'ailleurs, Maurice Greene, alors donc on pourrait se demander, dopé, pas dopé, c'est toujours la bonne question. Moi, la seule chose qui m'a interpellé quand j'ai fait ces recherches, beaucoup de gens disent que de toute façon, c'est pas humain de courir un 100 mètres à moins de 10 secondes, de toute façon. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le détenteur du record mondial qui est Usain Bolt, et qui lui, il a fait un chrono à 9,58. Donc en fait, quand on voit ça, cela veut dire que ça répond à un système, c'est-à-dire que tout le monde se dope, mais une fois qu'on s'est fait contrôler positif, une fois qu'on est devenu le fer de lance, une fois qu'on est l'emblème du dopage, on ne peut plus le faire parce qu'on sera testé. Et pour justifier encore une fois la lutte qu'on mène contre le dopage, eh bien c'est lui, c'est cette personne qu'on ressortira à chaque fois du chapeau. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui ont apprécié cette vidéo et qui veulent en savoir un petit peu plus justement sur cette époque qui a conduit justement à la chute de ce géant du sprint, je vous conseille de regarder le documentaire 9,79 en fait, qui a été réalisé par ESPN, donc l'enseigne de sport extrême américain, qui en tout cas retrace pas mal justement toutes les pérégrinations des sportifs de cette époque. Donc, pour conclure cette vidéo, on peut dire que le travail que tu as fait, encore une fois, exceptionnel. Les amis, on peut voir que le dopage n'est pas le fait simplement du bodybuilding, il est le fait de tous les sports. À l'inverse, dans le bodybuilding, vu que bon, tout le monde se dope, il n'y a aucun intérêt de lutter contre le dopage parce que ce serait lutter contre une chimère, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc on peut dire que le seul sport où on peut se doper sans vous êtes inquiété, c'est bien le bodybuilding en fait. C'est exactement ce que je me suis dit après avoir fait mes petites recherches. Je me suis dit, bah, finalement, s'il y a bien un sport où c'est cool de se doper, bah, c'est le body parce que là, tu sais qu'on va
pas venir te faire chier, quoi. En tout cas, j'espère que Ben Johnson, aujourd'hui, il a appris à préférer être détesté pour ce qu'il était. Plutôt qu'aimer pour ce qu'il n'est pas. Et on peut dire que là, la jalousie, pour le coup, il a vraiment mérité. Et c'était, bah, c'était un peu justifié, pour le coup.